Chers amis, bonsoir, merci d'être sur l'émission Pouch Live. Nous sommes le jeudi 4 avril et ce soir, nous commençons nous aussi la campagne des européennes, bien entendu, avec du côté média, bien entendu. Et ce soir, notre premier invité pour en parler est candidat Florian Philippot. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très très bien. C'est un peu chargé en ce moment, mais c'est plutôt bon signe. C'est bien. Oui, parce que alors on le dit, hein, vous lancez votre liste, les Patriotes, pour les élections européennes, chers amis, du 9 juin, bien entendu. Un seul tour pour accéder au Parlement européen, 5% pour pouvoir s'asseoir sur un des bancs, un des sièges melotonnés du grand Parlement européen. Ça s'est lancé. Florian Philippot, Florian, comment ça s'est passé, la décision de vous lancer concrètement? Parce que pour un mouvement comme le vôtre, un parti, ça présente quand même quelques difficultés, du moins de modalités pratiques et de modalités financières, j'imagine. Hein. Les élections en France, ça coûte une fortune parce que ouais. Les gens ne savent pas très bien qu'en France, ce sont les candidats qui payent, par exemple, leur bulletin de vote. Il faut les imprimer, il faut les acheminer dans les bureaux, il faut payer les professions de foi qu'on reçoit chez soi, il faut payer tout. Beaucoup de gens croient, parce que ça paraît naturel, que c'est l'État. Ouais. Non, ce n'est pas du tout l'État, ce sont les candidats. Mais après, formellement, on peut être candidat pour 0 euro en France. On peut déposer une liste au ministère de l'Intérieur, aux Européennes, ça ne coûtera rien, on ne va rien vous demander. Par contre, vous n'aurez pas de bulletin de vote, on ne pourra pas voter pour vous. C'est là l'hypocrisie du système. Donc, bon, nous, on a beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui veulent nous aider aussi parfois par des dons, voilà, comme les gens peuvent. Et surtout, on a un mouvement qui a énormément d'adhérents. On est largement le plus grand mouvement souverainiste de France. On a plus de 40 000 adhérents. Et donc, ça nous permet d'être candidat et d'offrir ce choix aux Français, évidemment, parce que sinon, ils n'auraient pas vraiment le choix. Et on demande à ceux qui veulent bien nous aider de le faire, c'est tout. Voilà, je ne cesserai de leur dire et de leur redire, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a envie que cette liste réussisse. Oui, effectivement, c'est une vraie demande. Hein. C'est des questions dont on est assaillis, nous, médias indépendants, bien entendu, sur le mouvement souverainiste, ne pas voter ni à gauche, ni à droite, chez les Républicains ou la Macronie, bien entendu, ça pose un problème. Comment vous avez décidé, Florian, de vous lancer concrètement? Les moyens, vous avez parlé, les adhérents, vous avez parlé, mais prendre la décision de se dire, là, on y va, il faut y aller, quoi, concrètement. Alors, si vous voulez, moi, Nicolas, j'ai déjà été député européen. Et j'ai connu à ce moment-là, j'ai bien connu Farage, Nigel Farage. Oui. L'homme qui a créé le Brexit, hein, on peut le dire, hein, au Royaume-Uni, et qui s'était fait élire eurodéputé pour ça. J'avais beaucoup parlé avec lui. Il avait d'ailleurs appelé à voter pour ma liste en 2019 aux européennes. Mais à l'époque, les Patriotes étaient tout petits. On avait un an et demi d'existence. On n'avait que 2000 adhérents. On n'était pas identifiés. Bon, enfin, c'est la préhistoire pour nous. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Et il se trouve que ça a été un modèle. Il m'a expliqué comment il avait utilisé son mandat pour faire mieux connaître le Brexit dans son pays, pour obtenir un référendum et finalement pour le gagner. Ils ont gagné le 23 juin 2016 la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni. Bon, et donc ça, c'est pour moi, ça a été vraiment un modèle. Et puis j'ai vu les tout récents sondages qui montrent qu'il y a plus d'un tiers des Français aujourd'hui qui veulent le Frexit, ce qui est considérable, hein, sans aucun débat médiatique, hein, quand même, il faut le dire. Hein. Et alors que tous les partis soi-disant d'opposition au Parlement, de LFI, ORN, Reconquête, tout ça, ont abandonné le Frexit. Ils ne sont pas sur le Frexit. Donc c'est tout à fait remarquable. Et donc, il serait hors de question que ces millions de Français qui veulent sortir de l'Union européenne et qui veulent aussi ce qu'on propose, le combat pour les libertés qu'on a prouvé, hein, le combat pour la paix qu'on a prouvé aussi concrètement, eh bien, que ces gens-là puissent avoir le choix aux élections européennes le 9 juin. La stratégie, Florian Philippot, concrètement, c'est de rentrer, j'imagine, dans les 5, véritablement, et dans le cas idéal, partant du cas idéal,
vraiment quelle serait la stratégie une fois sur place. C'est d'avoir des alliances, ça et là, et essayer de peser dans le débat. Alors, il faut faire plus de 5%. Ouais. Je rappelle que les européennes, ouais, c'est un tour et c'est la proportionnelle. Donc, il n'y a pas de vote utile ou quoi que ce soit. C'est vraiment formidable parce que c'est formidable. En tout cas, c'est un mode de scrutin plus favorable, on va dire, que les législatives, par exemple, parce que c'est un tour et il y a de la proportionnelle, il faut faire 5%. Dès que vous faites 5%, vous avez au moins 5 élus. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, faire rentrer un maximum d'eurodéputés français frexiteurs, défenseurs aussi de la sortie de l'OTAN, de nos libertés, de nos paysans, enfin de tout notre programme qui est sur notre site. Hein. Les gens vont sur le site les-patriotes.fr, ils auront tout notre programme thème par thème si ça les intéresse. Et là, deux choses. Un, fracasser le système. Utiliser vraiment ce mandat pour faire connaître ce qui se passe à l'intérieur de la machine, parce que si on n'y est pas, on ne voit pas tout. Ouais. Et le faire sortir à l'extérieur, mettre le projecteur de dessus pour faire progresser le Frexit. Donc ça, c'est première chose extrêmement importante. Et deux, effectivement, si on trouve d'autres mouvements, il y en a dans d'autres pays européens qui sont pour la sortie de leur pays de l'Union européenne, alors il faut faire des alliances. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a une envie dans plusieurs pays, dans plusieurs peuples européens de sortir de cette prison. De briser les chaînes et de se défaire de cette horreur, de cette monstruosité qu'est l'Union européenne. Quand on vous oppose, par exemple, le rôle véritable du Parlement européen, où c'est aujourd'hui concrètement, vous répondez quoi à ça? Pour vous, c'est vraiment la visibilité des alliances et de faire pression tout autrement que par le Parlement? Je vais être extrêmement clair. Moi, je ne suis pas là pour être un technocrate de l'Union européenne. Il y a des technocrates à la Commission, il y en a aussi au Parlement européen. Moi, je ne vais pas faire croire aux gens qu'on est là pour faire un groupe qui va faire basculer la majorité au Parlement européen, et en rentrant dans le travail législatif du Parlement européen, on va réussir par magie à tout révolutionner au niveau de l'Europe, et ça va devenir formidable demain. Ça, c'est faux. Ce sont des promesses qui sont faites tous les 5 ans à l'élection européenne aux Français. On peut reprendre, vous reprenez les débats en 2019, 2014, 2009. Vous pouvez remonter jusqu'à 1979. Première élection européenne. Il y avait déjà des affiches « Changeons l'Europe bon. ». Et par exemple, aujourd'hui, je vois… Ah, mais ils sont tous là-dessus. Je vois RN qui dit « On aura un groupe qui va chambouler le Parlement ». Dans les meilleures projections, avec leurs alliés, s'ils font un carton, ils ont 81 eurodéputés sur 720 avec leur groupe. Avec leur groupe, je parle de tout le monde. Donc, et pareil pour Reconquête, c'est à peu près la même chose, c'est un autre groupe mais qui aurait à peu près la même taille, 80 eurodéputés. Donc, et ensuite, même si par magie les deux s'allient ensemble, ce qui n'arrivera pas, ils ne sont pas d'accord, ça ferait 160 eurodéputés sur 720, vous êtes encore très 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 loin d'une majorité. Et je vais même vous dire, même s'il y avait un groupe ultra majoritaire souverainiste au Parlement européen, ce ne serait pas suffisant parce que le pouvoir il est beaucoup à la Commission, à la Cour de justice, à la Banque centrale. Donc en réalité, il ne faut pas faire de fausses promesses aux gens. Par contre, être un agent perturbateur, frexiteur, un Farage au Parlement européen, ça, ça a prouvé que c'était efficace. Ça l'a prouvé. Ça l'a prouvé par l'exemple britannique. Et en plus, j'ai envie de faire sortir des infos et d'obliger au scandale, si vous voulez. J'ai envie, pas le scandale pour le scandale, mais le scandale utile, celui qui fait progresser les débats. D'ailleurs, au passage, on n'est pas là pour parler de ça, mais Ursula von der Leyen, bien entendu, commence à avoir les plaintes et des États commencent à se liguer contre elle, ce qui est assez nouveau d'ailleurs, pour le coup, pour Ursula von der Leyen. C'est à noter tout de même. On voit bien qu'elle est quand même pris un peu à la gorge, Ursula, en ce moment. C'est très important. Pour la première fois de l'histoire, vous avez des États membres qui ont porté plainte au pénal contre un président, une présidente de la Commission européenne sur les SMS. Moi, j'avais déposé cette plainte. On est le seul mouvement politique français à l'avoir fait. J'étais allé en Belgique, à Liège, voir le juge d'instruction belge l'été dernier. Ça avance. On a vu que ça avançait. Apparemment, on va bientôt être convoqués nous-mêmes, etc. Tant mieux. Je m'informe. Dès que je saurai précisément, j'informerai en direct les gens. Et il se trouve qu'enfin, les médias et même hier à la télévision française ont parlé de cette histoire des SMS avec Pfizer. Il a fallu le temps, mais vous voyez, à force de ténacité, d'abnégation, et puis on a fait tout. Nous, on a fait les manifs, des pétitions, des vidéos, on a tout fait, tout ce qu'on pouvait. Bah, ça paye. Voilà, il faut toujours, il ne faut jamais lâcher l'affaire. C'est une des leçons de cette affaire. Alors, ça n'est pas fini, mais en tout cas, c'est une sacrée brèche dans l'édifice européiste.
Oui, effectivement, ça, comme quoi ça avance à force quand vous avez fait vous en tant qu'homme politique et nous en tant que médias indépendants Exactement. avec tous les copains, Tocsin, Moroski et tous les autres, on a fait notre boulot, TV Liberté, qu'on sort même François, pas. qui a fait un gros Ouais, boulot aussi. François de Xavier, j'en oublie, Voilà. excusez-moi, mais voilà, vous les connaissez tous, j'ai pas besoin de les énumérer ce soir ici. Donc finalement, pour finir là-dessus, et après on va continuer à avancer sur le programme des patriotes, parce que c'est important de développer le programme. Finalement, Florian, c'est de jouer le trublion, les trublions au sein même du Parlement européen et de faire remonter de l'info et finalement de faire sauter au C4 quelques dossiers un peu chauds, hein, si j'ai bien compris. Bah oui, par exemple, on pourrait savoir exactement ce qu'il y a dans les traités de libre-échange qui s'annoncent. On pourrait aller mettre les pieds dans le plat sur l'affaire des effets secondaires et de la responsabilité de la Commission dans les contrats. Ça, c'est du travail concret, si vous voulez. Il y a plein de choses, il y a plein de dossiers qu'il faut aller voir. Par exemple, regardez, il y a une règle. Il y a une nouvelle règle, là. Vous n'avez pas le droit de mettre votre drapeau national dans l'hémicycle. Bon, bah, quelle serait, à votre avis, la première chose qu'on ferait en arrivant? Qu'est-ce que je mettrais moi sur mon pupitre, sur ma table, et tous mes collègues élus avec moi sur la liste? Bon, on mettra le drapeau français. Et puis, quand, moi, ça m'amuserait qu'ils envoient des huissiers arracher les drapeaux français. Parce que tout ça, on le filmerait en direct. Non, mais que les gens voient ce que c'est que l'Union européenne. Donc, soit on brise la règle et on laisse nos drapeaux, et on a gagné par rapport à eux, soit on démontre aux gens en direct. Je ne comprends pas qu'aucun l'ait fait jusqu'ici. Enfin, moi, c'est tellement évident. Comment se soumettre à cette règle insupportable de nous interdire nos drapeaux? Comment quelqu'un, comment un eurodéputé, et pourtant aucun de ce que je vous dis là ne l'a fait. Nous, on le fera. Et s'ils veulent vraiment nous arracher notre drapeau français, eh ben, qu'ils le fassent devant les caméras. Et ça fera des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et ça montrera aux Français ce qu'est réellement la dictature européiste. Effectivement, voilà, c'est un exemple. Alors, je voudrais qu'on parle cette alliance, hein, c'est tout nouveau. Ça a été annoncé après-midi en conférence de presse. Vous et Jean-Frédéric Poisson de La Voix du Peuple, une alliance intéressante pour vous, Florian Philippot, j'imagine, puisque vous êtes. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus avec Jean-Frédéric Poisson, La Voix du Peuple, notamment? Moi, je suis ravi. Je vais vous dire, je suis ravi parce que d'abord, elle a un énorme sens. On avait fait cette alliance avec Via la Voix du Peuple au Régional 2021. J'étais tête de liste dans la région Grand Est et sur ma liste, il y avait des colistiers de Via la Voix du Peuple. On était en alliance et d'ailleurs, on avait fait 7% dans les urnes. C'est remarquable parce qu'on avait commencé à 1 dans les sondages. 7% Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne sur des millions et des millions de Français. C'est un score que personne ne nous avait prédit. Et alors qu'on avait tout le monde en face, hein, le RN, tout ça, bon, et très peu de médias. Enfin, donc c'était remarquable. Là, donc, on reproduit cette alliance, d'autant qu'entre-temps, Jean-Frédéric est venu dans beaucoup de manifs pour les libertés, pour la paix, pour nos agriculteurs l'autre jour. Bon. Et ça, je crois, répond à une aspiration extrêmement puissante et très légitime de nos compatriotes, et notamment des souverainistes, le rassemblement. Beaucoup en parlent, alors certains ne veulent pas, bon, ça c'est leur problème, mais beaucoup en parlent Oui, et parce beaucoup que cherchent. Florian, je me permets, la question revient beaucoup. Vous imaginez que la question vient en permanence. Asselineau, Philippot, pourquoi tout ça ne se rassemble pas? C'est la question qui revient en permanence sur les réseaux, même en ce moment dans le chat. Hein. Voilà. Parce que nous on a proposé et que, ils n'ont pas voulu. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc ce n'est pas notre fait du tout, sinon ça serait fait. Mais ils ont fait le choix de la solitude, c'est leur choix. Mais ça, c'est derrière nous maintenant. Bah, c'est comme ça. Mais en tout cas, le rassemblement avec Via la Voix du Peuple, il est là. Mais il y a également, si vous voulez, sur cette liste de rassemblement, le cercle Aristote, son fondateur, son président, Pierre-Yves Rougeron. C'est quand même pas rien, les gens suivent, ils savent très bien la qualité de ses travaux. C'est une maison d'édition aussi, c'est le plus gros think tank souverainiste français, hein. Un combattant du Frexit, enfin, qui apporte des arguments, un homme absolument remarquable. Des conférences que j'invite tout le monde à aller voir, il a des invités. Bon, il y a Myriam Palomba et Marc Doyer, ce sont des personnalités de la résistance. Ces dernières années, on les a vus dans toutes les manifs. Myriam, c'est une journaliste ultra courageuse qui a mis un peu de côté sa carrière à un moment en disant, ce qui compte pour moi, c'est le combat pour la liberté, pour la vérité. Marc, il a perdu son épouse, on sait dans quelles conditions, c'est le porte-parole de Vérity France. Mais j'ai aussi le général Blanchon, qui était général 3 étoiles, qui est deuxième section là maintenant et qui est un homme remarquable. Il était numéro 2 de la zone de défense Est. Donc, il a été un très haut niveau et c'est un patriote jusqu'au bout des doigts. C'est un homme remarquable. Il y a des agriculteurs qui ont fait le blocus de Rungis. C'est Claude Leblé, un agriculteur de Loire-Atlantique. Il était dans son tracteur, j'étais allé le voir à Rungis. Il bloquait au moment où Macron allait, enfin, Darmanin envoyait ses blindés de ça. On aura d'autres agriculteurs d'ailleurs qui étaient dans les mouvements de colère paysanne, puis il y aura d'autres noms. Enfin,
voilà, avec une grosse, grosse cohérence. Il faut lire notre communiqué de presse, on l'a diffusé partout. Frexit, indépendance nationale par la sortie de l'Union européenne, reprise en main de notre souveraineté. Alors, on vous met la photo qui est de date cet après-midi, qu'on a reprise sur votre compte Twitter, hein, Florian Philippot. Oui, c'est au siège, ça. C'était la conférence de presse, tout à fait. Voilà, c'est la conférence de presse qui est tenue après-midi. Donc, Marc Boyer, Jean-Frédéric Poisson, vous-même, Myriam Palomba et Pierre-Yves Rougeron. Voilà, vous avez la photo qui a été prise cet après-midi. Voilà. Oui, tout à fait. Superbe. Et puis, voilà, et donc, les libertés, le Frexit, les libertés, la paix, le modèle social, et puis tout le reste qu'on peut aller voir sur notre site thématique par thématique. La lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts aussi. J'insiste énormément parce que l'Union européenne, c'est vraiment la machine à cash, quoi. C'est la machine à corruption. Je pense que c'est l'institution la plus corrompue du monde. Numéro un, parce qu'elle brasse des sommes absolument considérables, parce qu'elle a aucun contrôle, il n'y a aucun contrôle. C'est vraiment la zone de non-droit, c'est une zone de non-droit, et parce qu'elle a un pouvoir considérable. Regardez Ursula qui négocie par SMS un contrat de 35 milliards d'euros. Où est-ce qu'on voit ça ailleurs dans le monde? Nulle part, ça n'existe pas. Enfin, c'est un truc délirant. Et puis là, ils veulent faire un fonds de 100 milliards pour l'Ukraine. Quand on sait aussi le niveau de corruption dans ce pays, quel scandale. Enfin, je veux dire. Et donc, vous voyez, il faut aller aussi récupérer l'argent. Il faut récupérer l'argent. Il faut qu'ils rendent l'argent, tous ces gens-là. C'est aussi un des grands messages de cette liste. Il y a également aussi Eva Kaili, dont on a très peu parlé en France, la vice-présidente du Parlement européen, qu'on a chopé, je suis désolé d'être trivial, un peu vulgaire, avec 700 000 balles dans un sac de sport, et notamment son père, et elle a quand même passé quelques jours en détention, et puis elle est revenue comme une fleur au Parlement européen, ce qui est quand même absolument ubuesque, qu'on soit pro ou anti-Union européenne, on peut quand même s'étonner manifestement de ce façon de faire, voilà, il me semble. Alors, la dame a dit qu'elle avait, elle n'était pas au courant que chez elle traînait un sac avec des liasses de billets pour 700 000 euros, effectivement. Bon, donc, je dis à tout le monde, faites un grand nettoyage de printemps. Vous allez peut-être trouver un sac chez vous avec 700 000 euros, hein, on ne sait jamais. Apparemment, ça arrive. Et puis, bon, vice-présidente quand même du Parlement européen, elle s'est retrouvée, je crois, 3 ou 4 mois en tôle quand même, en Belgique. Mais le scandale, effectivement, c'est qu'elle ait repris sa fonction. Bon, elle va être jugée, on verra, hein, mais pourquoi elle a repris sa fonction entre-temps? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Qui peut comprendre ça? Qui peut accepter ça? Vous voyez, cette institution, elle est pourrie jusqu'à la moelle. Mais vraiment, l'Union européenne est pourrie jusqu'à la moelle. Vous me direz, il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi du boulot au niveau national, hein, j'en suis conscient. Je ne vends aucune baguette magique aux Français. Il y a du boulot derrière, mais enfin, quand même. Commençons par le plus important, c'est de retrouver notre souveraineté de peuple, nos libertés, et qu'on aille nettoyer ces écuries d'Augias. Non, on ne va pas d'ailleurs les nettoyer, on va les détruire. Alors, on va continuer là-dessus et j'aimerais tiens une question, puisque je suis toujours assez frappé, moi, en tant qu'éditorialiste politique, quand j'entends que ce soit Reconquête ou le RN, notamment Bardella, Marion Maréchal ou Zemmour, d'entendre dire finalement les élections européennes du 9 juin sont en quelque sorte la prochaine motion de censure où pratiquement Bardella demandait notamment la dissolution de l'Assemblée si jamais il y arrivait premier. Je suis toujours assez surpris par ce genre de déclaration du plan national pour essayer de se projeter au plan européen qui en ferait de fait une élection nationale. Vous, comment vous le percevez ça, Florian Philippot? Non, mais ça, vous savez, c'est juste une tactique. Ouais. Pour que les gens, entre parenthèses, votent utile, comme ils disent, c'est-à-dire le donnent des voix. Il avait fait, en 2019, le RN était déjà en tête, c'était déjà Bardella tête de liste, et il reprenait les articles de presse, il disait déjà, si on est en tête, il devra dissoudre l'Assemblée nationale. Le même mot, c'est copier-coller, ça ne se fera pas. S'il voulait la dissolution de l'Assemblée nationale, il fallait commencer par voter les motions de censure. Vous regarderez ce que vote le RN à l'Assemblée nationale depuis 8 mois, ils ne votent plus une seule motion de censure. Bon, donc ils n'en déposent plus, ils n'en votent plus. Donc ce n'est pas très sérieux, ce sont juste des arguments électoralistes. Il n'y a pas de vote utile. Le RN sera très probablement en tête aux européennes. Si ça fait plaisir aux gens, pour ceux qui seront rassurés par ça, ça ne changera rien, je le dis, hein, qu'ils soient en tête ou pas, ça ne change rien. Mais si ça fait plaisir, si ça rassure les gens, ne vous inquiétez pas, vu les sondages, ils seront sûrement en tête. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'ils sont en tête de 10, 12 ou 15 points, ça ne change rien du tout. Par contre, qu'il y ait des eurodéputés frexiteurs ou pas, ça change tout. Ça change tout, parce que vous n'en aurez pas avec les députés RN. Ils ne sont pas du tout pour le Frexit. Ils n'arrêtent pas de le dire et de le redire et de s'en défendre. Ils ne veulent même plus sortir de Schengen et du marché européen d'électricité. Ouais. C'est quand même la base de la base. Donc, si vous voulez, tout ça, ça ne sert à rien. Ce sont des votes inutiles. Vous avez plein de listes qui ne servent à rien dans cette élection, en réalité. Ce sont des listes qui, de toute façon, vous disent tous les 5 ans, moi, je vais repeindre l'Europe en vert, moi en rouge, moi en bleu marine, moi en rose, etc. Et en réalité,
comme ils veulent rester dans le système, ils se rendent eux-mêmes impuissants et incapables de respecter leurs promesses de campagne, donc ils ne servent à rien. Donc ça ne sert à rien de voter pour des gens qui ne servent à rien. Voilà, donc votez pour des gens qui vous disent, nous, on vous propose la seule issue, c'est l'issue, la sortie de secours, c'est de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. Finalement, pour vous, c'est une façon de, c'est ça, de séduire, de faire les yeux doux au système et d'y rentrer et d'y rester aussi, quelque part, finalement. Mais ce sont des parties du système. Ouais. Ce sont des parties du système. À partir du moment où vous dites on reste dans l'OTAN, l'Union européenne, la CEDH, Schengen, l'euro, le marché européen d'électricité, l'OMS, tout ça, bah, écoutez, d'abord, qu'est-ce que vous allez changer à la vie quotidienne des gens et à la politique du pays? Rien du tout. Mais rien de rien. Enfin, regardez Meloni. C'est une catastrophe. Elle double l'immigration. Elle a fait la retraite à 67 ans en Italie. Elle disait qu'elle allait défendre l'argent liquide. Moi, je veux le constitutionnaliser. Mais Ursula lui a dit tout de suite, non, non, tu as des directives européennes qui t'interdisent de faire ça. Et nous, on prépare l'euro numérique. Et tu es dedans. Bah oui, mais moi, je ne fais pas dedans. Donc moi, je pourrais le faire, la protection de l'argent liquide. Vous voyez toute la différence entre quand on est un pays souverain ou quand on ne l'est pas. Donc, sur les partis du système, on les voit, ils vont se pavaner au dîner de Macron à Saint-Denis, ça s'envoie des petits SMS. Regardez la numéro 2 de la liste RN, Malika Sorel. Elle est nommée, ils annoncent, ils disent que c'est une prise, c'est la com. Le lendemain, le Canard Enchaîné révèle qu'elle a frénétiquement envoyé des SMS. Elle aussi, elle a son affaire de SMS. Hein. C'est pas les mêmes. Elle a frénétiquement envoyé des SMS à Macron en janvier dernier pour devenir sa ministre. Il paraît qu'elle l'a harcelé de SMS. Elle n'a pas démenti, elle a confirmé. Donc, c'est une opportuniste. Mais il n'y a plus que ça. Le numéro 3 de la liste, le directeur de Frontex pendant 8 ans. Et Frontex, c'est une agence fédérale européenne qui organise l'immigration massive. Et d'un coup, il a découvert à 3 mois d'une élection européenne que finalement, il était contre l'immigration et que non, mais enfin, c'est pas sérieux. Et ça, ça s'appelle l'opportunisme. Voilà. Franchement, je crois que tout ça, il faut le mettre de côté. Et ce, quand même, je dis, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais je ne veux pas que Macron soit en tête, ne serait-ce que par envie qu'il ne soit pas en tête. » Rassurez-vous, il ne le sera pas. Mais vous, votez pour vos convictions. Votez pour vos convictions. On ne vous demande quand même pas très souvent votre avis en France. Ah non. Pas souvent. Alors, pour une des rares fois, on vous le demande. Bah, si vous êtes pour le Frexit, si vous voulez le rassemblement des souverainistes et des résistants, si vous avez manifesté avec nous sur le Covid, si vous avez manifesté avec nous pour la paix, pour les suspendus, enfin tous nos combats communs, là, en plusieurs années, bah, votez pour nous. Je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, il y a quelque chose que j'attends avec impatience, c'est les débats, Florian. Les débats. Ouais, alors, Bardella, lui, apparemment, il n'a pas le temps, donc il fait aller Mariani ou je ne sais qui le remplace. On va avoir un grand débat sur une grande chaîne, entre guillemets, bien entendu, avec vous, avec tout le monde, pour parler de ces questions pendant 4 heures, de manière à voir un peu les incohérences des uns et les arguments à s'opposer les uns les autres. On l'attend, écoutez, ce débat tout-même. Écoutez, pour l'instant, les chaînes annoncent des débats avec quelques candidats sélectionnés. Vous avez remarqué. Pas tous, moi j'y suis pas. Et d'autres n'y sont pas. Et on est tous aussi légitimes à y être. Hein. Je ne parle pas que pour ma paroisse. Donc, après, je ne sais pas, peut-être en fin de campagne, parce que pendant la campagne officielle, on n'est pas dans l'égalité médiatique. Hein. Ça, on pourrait rêver, mais on n'y sera pas. Mais on passe sur ce qu'on appelle l'équité renforcée. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, les 2-3 dernières semaines, je crois, il y aura des vrais débats avec tout le monde. Les listes officielles, celles qui sont vraiment candidates, parce qu'on le connaîtra qu'en mai, ça, hein, le dépôt des listes, c'est au mois de mai. Voilà, donc ce serait la moindre des choses. Mais là, vous touchez du doigt l'énorme problème médiatique en France. Regardez, il y a même CNews et C8 qui vont quand même pas très loin, mais qui, où c'est vrai, il y a quand même un peu plus de pluralisme que sur BFM TV, il faut le dire, ou ailleurs. Même ça, ça les dérange, au point qu'ils font une commission d'enquête au Parlement européen qui convoque Pascal Praud, Hanouna, enfin, délirant, quoi. Là, si on nous dit qu'on a des leçons à donner à la Corée du Nord, à la Russie ou à la Chine, il faut m'expliquer dans quelle soi-disant démocratie on convoque des journalistes pour s'expliquer d'avoir tel ou tel invité et de parler de tel ou tel sujet à l'antenne. Enfin, ça devient complètement délirant. Mais même ça, ça les dérange. Les réseaux sociaux les dérangent encore plus. Il y a plein de règlements de censure. La loi qui est passée hier au Sénat. Je voulais qu'on en parle. Complètement délirante. Il n'y a eu que 2 sénateurs qui ont voté contre, hein, je signale. Et les sénateurs Reconquête et RN, ils n'étaient même pas là. Quelle honte. Enfin, ils n'ont même pas pris part au vote, ils ont laissé passer. Donc, sur les médias, moi, je voudrais une révolution totale. Vous voyez que l'ARCOM soit remplacé par un groupe de citoyens français qui changent régulièrement. Comme ça, il n'y a pas de problématique de carriérisme ou de copinage ou de voire de corruption.
et que ces gens-là, téléspectateurs, avisés, ils aient un seul critère à faire respecter. La diversité idéologique à l'antenne, c'est tout. La diversité d'opinion, qu'il n'y en ait pas d'autre. C'est le seul critère, c'est le plus important à la télé, à la radio, et qu'on s'assure que si on parle de l'Europe, alors il faut qu'il y ait des représentants du Frexit. Il n'est pas normal d'avoir un débat aux européennes sur l'Union européenne sans aucun représentant de la sortie de l'Union européenne. Ça n'est pas normal, ça n'est pas possible. Comme pendant, je signale, le Covid, on avait des débats à la télé, des débats entre un super pro-pass sanitaire et un pro-pass sanitaire. Il n'y avait pas d'anti-pass sanitaire sur le plateau, souvenez-vous. On peut multiplier les exemples. Regardez, LCI sur l'Ukraine, c'était délirant. Enfin, il n'y a pas que LCI d'ailleurs, mais LCI, c'est encore plus flagrant. Ouais. Ça fait deux ans, moi j'ai la même position depuis le début, ça fait 2 ans qu'il y a des pseudo-débats entre des méga pro OTAN et Ukraine et des super pro mais OTAN-Ukraine. Mais il n'y a pas de gens qui veulent sortir de l'OTAN, qui veulent la paix, qui veulent qu'on arrête d'envoyer des armes et de l'argent à l'Ukraine. Là, il y a tout à révolutionner. Enfin, mais bon, c'est pour ça qu'il faut vous soutenir, vous, les médias alternatifs, qui sont vous êtes devenus hyper centraux dans le débat. Vous savez qu'il y a une stat qui est sortie hier, les Européennes 2024 occupent 5 fois plus d'espace dans les réseaux sociaux qu'en 2019. 5 fois plus. C'est dû surtout à quoi ? C'est dû à l'explosion des réseaux sociaux. Là, ce soir, par exemple, sous les réseaux, il y a pratiquement 3000 personnes actuellement en ligne. Donc, sur l'ensemble des réseaux, YouTube et les autres réseaux confondus, bien entendu. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut, je le dis souvent en téléspectateurs, mobiliser du temps comme ça, soit pour venir en manifestation avec vous, Florian Philippot, dans vos conférences, quelle que soit l'idée qu'on a de ça, ou venir sur nous, médias indépendants, et mobiliser du temps. Je trouve que là, il y a une vraie acte de citoyenneté qui est fait. Et c'est toujours intéressant et rassurant, quelle que soit notre position dans la société. Je trouve que c'est extrêmement rassurant. Il faut toujours en profiter pour s'abonner à vos médias, à la chaîne. Il faut s'abonner, il faut soutenir. Vous avez besoin de soutien. Les grands médias, ils ont les milliards d'argent public, des milliardaires et tout. Vous ne les avez pas. Oui, on ne les a pas. Et avec les lois qui sont en train de passer en termes délit d'outrage en ligne, je peux vous assurer que ça va continuer à nous serrer autour du cou et on va avoir vraiment besoin d'aide de la communauté. Je voudrais qu'on finisse sur la question de la visibilité, Florian, là-dessus, l'équité renforcée. Je voudrais qu'on explique bien ça à nos téléspectateurs ce soir. Comment ça se passe ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on vous voit pratiquement. Si vous êtes passé sur France Info, un peu sur mais France Info hier matin ou avant-hier, je crois, me semble-t-il. Oui, je vous ai vu. Lundi, lundi. France Info TV, c'était pas la radio, c'était que la télé. On est d'accord. Comment ça se passe ? C'est par rapport au sondage, c'est ça ? Non, alors oui, je pense qu'il y a, les sondages. Alors, comme critère objectif, il y a est-ce que vous avez eu des candidats aux législatives dernières ? Donc, nous, on en avait en alliance dans 410 circonscriptions et sous nos propres couleurs dans 220 circos. Est-ce que vous animez le débat public ? Oui, on anime énormément. On fait des réunions publiques, on fait des manifs. Enfin, on est un des mouvements qui anime le plus le débat public. Plus, on le fait énormément sur les réseaux sociaux. Mais en fait, je vais vous dire, c'est une boîte noire. Vous n'arrivez pas à savoir. Là, jusqu'au 15 avril, ils ne comptent pas les temps de parole, ils font absolument ce qu'ils veulent sur les européennes. À partir du 15 avril, on rentre dans l'équité, ce qui ne veut pas dire que ça change grand-chose, ça veut juste dire qu'ils sont obligés de faire un décompte journalier des temps de parole des différentes listes et de les envoyer le soir à l'ARCOM. Mais ça ne veut pas dire beaucoup de plus que ça. Et à la toute fin, je crois qu'on rentre en équité renforcée où il y a sûrement un petit peu plus de contrôle sur la répartition des temps de parole, mais c'est pareil, ça restera une boîte noire. On ne va pas me dire un jour, bon là, vous avez le droit à tant de pourcents du temps d'antenne. On n'en sait jamais rien. Mais nous, patriotes, on a respecté les critères, notamment être candidat aux législatives en 2022. Ça, c'est très important. Les partis qui ont eu zéro candidat, après, normalement, ils ont zéro temps d'antenne. C'est un vrai problème de démocratie, concrètement. Je voudrais qu'on parle toujours des européennes et puis on va resserrer sur la France, la dette. La France est au bord de la faillite, ils sont en train de vouloir taxer les rentes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, apparemment Gabriel Attal, lui, a une idée assez précise de ce que c'est. Bruno Le Maire nous dit qu'on vit pratiquement dans les 30 glorieuses, à l'écouter, c'est les 30 glorieuses, c'est incroyable, et aussi, c'est directement lié à l'austérité européenne et au pacte de stabilité dont personne ne parle actuellement, dans les grands médias, qui est en train d'être discuté, et la Commission européenne envoie des émissaires en permanence à Bercy. Il faut quand même le savoir, ça, ce moment. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, nous sommes un pays sous tutelle. Les gens ne savent pas tout ça. Merci d'en parler, Nicolas. Depuis le 1er janvier, il y a un nouveau pacte budgétaire en Europe. Oui. Qui est encore pire que le précédent, qui avait été mis entre parenthèses pendant le Covid. Ils l'ont remis pire.
C'est l'Allemagne qui a dit ça va être pire. Et la France s'est couchée, comme d'hab, comme d'habitude. Donc, il y a ça. C'est pour ça qu'ils s'agitent tous depuis janvier. Ouais. Parce qu'il y a la pression allemande et bruxelloise. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils sont gonflés, quoi. Le maire Attal nous dit « Vous, Français, on va vous dérembourser les médicaments. » Oui. La rente, ça veut dire l'épargne. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais... C'est de la nouvelle langue. C'est pas la de la rente langue. Des milliardaires. Hein, je crois pas. Hein. Ouais, c'est votre épargne. C'est notre épargne. Livret A, assurance vie, tout ça. Hein. Et pour l'instant, ils démentent parce qu'on est en élection, on est en campagne. Attention à ce qu'ils vont faire après le 9 juin. Et puis, ils ont même pensé aux affections longue durée. Quelle dégueulasserie. Les cancers, les diabètes et tout. Pareil, ils ont démenti pour l'instant. Pendant de longs mois, ils n'ont pas démenti. Puis d'un coup, ils ont démenti. Ils ont démenti quand ils ont vu les sondages de leurs candidates aux européennes. Mais pareil, attention, après les élections. Et puis, ils veulent geler les retraites. Et puis plein de trucs. Alors que, ils ne parlent pas du pacte budgétaire européen. C'est vrai. Ouais. Deux, c'est eux qui ont mis 300 milliards de dettes dans le Covid. Non, mais quand même. Le maire, je veux dire, il n'y a pas de principe de responsabilité en France. Le type, il est ministre de l'économie depuis 7 ans. Ouais. En 7 ans, il a augmenté comme jamais dans l'histoire de France la dette. 865 milliards en plus. Notamment 350 pour le Covid. Un truc complètement dingue. Il fallait effectivement indemniser les restaurants fermés, les salles de sport, les cinémas, alors que tout ça ne servait à rien et était au contraire destructeur. Donc, on a vraiment paumé de l'argent pour rien du tout. Ensuite, il a rajouté 120 milliards de dettes à cause du bouclier énergétique. Il fallait compenser l'explosion des prix. Explosion des prix due à quoi? Due aux sanctions anti-russes. Idiot. Oui. Et due à quoi? Parce qu'on ne peut pas jouer sur d'autres critères, parce qu'on est coincé dans le marché européen d'électricité. Et il refuse de quitter le marché européen d'électricité. Donc, ils font des chèques, qui d'ailleurs n'annulent pas toutes les hausses, parce que ça a quand même beaucoup augmenté, mais qui coûtent extrêmement cher, et un jour on le paye, 120 milliards de dettes. Vous pouvez ajouter l'argent de l'Union européenne, on en a parlé. Chaque année, on donne 15 milliards en plus que ce qu'on reçoit de l'Union européenne. 15 milliards en plus que ce qu'on reçoit. Et puis, il faut rajouter les chèques à l'Ukraine. Ouais. Ah bon, on fait des chèques sans arrêt à l'Ukraine. Déjà 13 milliards pour la France via l'Union européenne, plus, nous, on va ajouter 3 milliards là, avec le traité qui vient d'être signé avec Zelensky. Et bon, tout ça. Après, évidemment, il ne faut pas s'étonner s'ils ferment les services d'urgence dans les hôpitaux, si l'école s'effondre. S'il y a 350 000 personnes qui vivent dans la rue, ce qui est une honte, ce qui est affreux, ce qui est là aussi un record honteux, on gèle les traitements des fonctionnaires, les salaires, les retraites, etc. Enfin, ces gens-là, et le maire, pendant ce temps-là, il sort un livre tous les trois mois, un roman, il pavane, il fait la leçon, et Attal, pareil, ils font des beaux discours, ils font la leçon aux gens. Je crois que c'est à vomir, vous voyez. C'est à vomir. Dans n'importe quel pays là aussi sérieux, le maire, ça ferait bien longtemps qu'il aurait soit démissionné, soit qu'il aurait été fichu dehors, qu'il aurait pris ses valises et qu'il serait parti. Parce qu'avec un bilan comme le sien, excusez-moi, mais c'est quand même hallucinant qu'au bout de 7 ans, il soit toujours ministre de l'économie. C'est sûr que dans n'importe quelle entreprise privée, je pense que Bruno Le Maire, il n'aurait pas fait long feu. D'ailleurs, je le dis en permanence, parce que ça va tomber sous le coup de la loi en ces jours. On l'appelle au gouvernement, certains, Bruno le Bulot. Hein, je le répète bien fort, parce que c'est le cas. C'est son surnom pour certains de ses amis au gouvernement, dans la majorité présidentielle. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut le dire. Hein. Alors, je sais que c'est l'outrage. Enfin, ça risque de devenir l'outrage dans pas longtemps, mais c'est comme ça. Je suis assez frappé parce que vous parlez d'austérité. J'ai fait un débrief politique comme chaque semaine sur ma chaîne et je relisais les 9 plans d'austérité qui ont été imposés à la Grèce depuis 2010. Ouais. Et je me suis rendu compte avec effroi que c'était bien pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que sur la réforme des retraites, sur la baisse des dépenses sociales, sur l'hôpital, la santé… Et là-dessus, il y a la Troïka, FMI, BCE notamment, et Commission, ont pris les mêmes mesures brutales que ce qui est pris en France depuis que Macron concrètement est arrivé, un peu avant, mais brutalement depuis Emmanuel Macron. Et je suis assez frappé de ça. J'ai l'impression, peut-être que vous partagez mon avis ou pas, qu'on est en train de vivre un plan grec, littéralement, mais un peu plus étalé, finalement, quelque peu. C'est ça, mais c'est aussi que la France part d'un peu plus haut, parce que la France est un pays qui est plus riche à la base que la Grèce, donc pour y aller, ça prend peut-être plus de temps, mais ils vont y aller si on ne fait rien, ils vont y aller. On est tondu comme les Grecs l'ont été, c'est ce qu'ils veulent faire en tout cas. Et c'est toujours la même chose, effectivement, ils demandent des réformes du système des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de l'hôpital, privatisation déguisée, privatisation de tout ce qu'on peut d'ailleurs.
y compris à la fin, les Grecs ont dû vendre des îles et tout, quoi. Oui. Ce n'est pas étonnant que demain, on nous dise, bah, vous savez, si le château de Versailles est géré par Veolia, peut-être que ça coûterait moins cher à la collectivité, ce ne serait pas plus mal. Si la tour Eiffel est gérée par, je sais pas, par Société Générale, ce ne sera peut-être pas plus mal. Vous voyez, non, mais des choses qui peuvent nous paraître un peu hallucinantes aujourd'hui, mais elles ne le sont pas en réalité. Donc, bien sûr, c'est toujours la même chose. C'est la gouvernance mondialiste. Et dans notre cas, euro-mondialiste. De toute façon, tant qu'ils tiennent notre système monétaire et bancaire, et ils le tiennent parce qu'on est dans l'euro, c'est pour ça qu'il faut quitter l'euro, qu'il faut reconstruire un nouveau franc, une nouvelle monnaie nationale. C'est un impératif économique, mais c'est aussi un impératif d'indépendance nationale. Il faut quand même que les gens le comprennent. Un pays qui n'a pas sa monnaie nationale, c'est un pays esclave. C'est vrai en tout temps, en tout lieu, et ça le sera toujours. Donc ça, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais ils peuvent faire ça parce qu'ils tiennent notre système monétaire et bancaire par l'eurosystème, par l'euro. Vous voyez, la première chose à quitter, c'est l'euro, hein, vraiment. Parce que c'est la corde autour du cou, ça. Et, et effectivement, j'aimerais que les Français réalisent que toutes les promesses qui ont été faites sur l'Europe, toutes, de A à Z, étaient mensongères. C'était la croissance, on est la zone la plus faiblarde du monde. C'était la prospérité, on voit le résultat. C'était la paix, moi je dis aujourd'hui, l'Union Européenne c'est la guerre. On le voit, les discours hystériques, Moyen-Orient, Ukraine, Russie, alignement sur l'état profond américain, l'Union Européenne c'est la guerre. On nous avait dit l'Europe ce sera un surcroît de puissance par rapport à la Chine, aux États-Unis, le décalage n'a jamais été aussi fort. Et les pays européens qui ne sont pas dans l'Union Européenne, je peux vous dire que ils ne veulent surtout pas y rentrer. Et même les pays qui sont dans l'Union Européenne mais qui ne sont pas dans l'euro, un sondage récemment en Pologne, ils ne veulent surtout pas y rentrer. Ah ben non, et d'ailleurs, ils auraient dû y rentrer, Florian. La Pologne, la Hongrie et la Croatie devaient rentrer dans la monnaie unique. Normalement, ils doivent rentrer, parce qu'eux, ils n'ont pas eu l'opt-out, parce qu'eux, ils sont arrivés plus tard. Par exemple, mais ils ont repoussé. Mais eux, ils sont obligés, normalement, d'après les traités. Mais je veux dire, la République tchèque a fait un rapport le mois dernier, co-signé entre la Banque centrale tchèque et le ministère de l'économie tchèque, en disant on n'a aucun intérêt à rentrer dans l'euro, on n'en veut pas. Là, il y a eu un sondage hier officiel en Pologne. Les deux tiers des Polonais veulent garder leur zloty, leur monnaie nationale, surtout pas de l'euro. Mais il n'y a aucun. Vous demandez aux Suédois. Les Suédois ont voté par référendum en 2003 contre l'entrée dans l'euro. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que toute l'oligarchie, tout le système leur disait il faut voter pour l'euro. Si vous ne votez pas pour l'euro, la Suède va s'effondrer, ce sera la catastrophe. Ils ont voté contre, ils ont tenu bon face à la propagande et aujourd'hui, ils se disent on a bien fait. Je voudrais qu'on parle aussi, vous avez parlé de ce cher Mario Draghi, j'avais lu cet article sur Euractiv et vous l'avez retweeté tout à l'heure et je voulais qu'on en touche un mot quand même parce que c'est extrêmement intéressant. On va vous montrer immédiatement l'article à l'écran. L'UE doit devenir un État selon Mario Draghi, c'est ce qu'a déclaré votre opposant, du moins le candidat Glucksmann, Raphaël de son État, qui lui aussi appelle quelque peu à une fédéralisation de l'Union européenne, donc la France deviendrait une espèce de quoi ? D'eurozone ? Une espèce d'eurozone de... Bah, on deviendrait, je ne sais pas, l'Ohio. Ouais, un État. Oui, l'équivalent. Ou au niveau français. Non, je ne vais pas citer un département parce que je vais me fâcher. J'aime tous nos départements, mais l'équivalent d'un département, vous voyez ? Oui. Bon. Mais enfin, c'est déjà, je vais vous dire, largement le cas en réalité. Hein. Vous savez, un pays qui gère déjà plus sa monnaie, ses frontières, ses lois, son droit, son budget de moins en moins, c'est déjà plus un pays, un État au sens international du terme. Il faut quand même s'en rendre compte. Mais là, effectivement, alors, ce que dit Draghi, c'est ce qu'il y a dans le prochain traité qu'ils sont en train de mijoter, de concocter. Oui. Parce qu'on sait qu'ils sont en train d'écrire un nouveau traité, il y a déjà des pré-projets qui ont été écrits. Bon, moi, je documente beaucoup tout ça sur ma chaîne YouTube pour les gens qui sont avec les sources, hein, qui s'y intéressent. Mais en tout cas, il dit exactement ce qu'il y a dans le projet, c'est-à-dire suppression de tous les droits de veto pour les États, créer une armée européenne, et puis passer énormément de sujets de la majorité qualifiée à la simple majorité, pour être encore plus simple. Et puis, effectivement, avoir le statut d'État au sens international. Donc, c'est la fin de la France. C'est tout. Donc, vous avez eu 2000 ans d'histoire. À un moment, vous mettez un point final. Voilà. Parce que Macron, avec Ursula von der Leyen, Mario Draghi et leurs sponsors en auront décidé ainsi.
C'est un choix qu'on doit faire. Alors, Glucksmann, le candidat Glucksmann, je vais vous dire, en fait, toutes les listes qui vous disent qu'il faut rester dans l'Union européenne, même en vous disant qu'on va la changer, en fait, aboutiront à la même chose. Sauf qu'il y en a qui l'assument parce qu'ils détestent tellement la France comme Glucksmann, lui, il va l'assumer, il va vous le dire. En fait, il vous révèle exactement le vrai projet, mais ce n'est pas le sien, c'est le projet européiste. Puis, il y a d'autres candidats, ils n'oseront pas dire ça parce que sinon, ils perdent leurs électeurs. Mais en réalité, je suis désolé, hein, ça mène exactement à la même fin. Hein. Quand même, on est conscient. Tant que vous ne dites pas que vous voulez sortir de l'Union européenne, à la fin, vous arrivez au même résultat. Hein. Glucksmann, il l'assume parce qu'il déteste la France. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. Il vous le dira. Je pense que Hayé, Renaissance, elle pourrait presque vous le dire aussi. Oui. Parce que c'est à peu près la même philosophie. D'autres ne vous le diront pas, mais le résultat est le même. C'est tout. Non, face à ça, si vous aimez la France comme moi, comme nous tous, et je sais que vous aimez la France, on est amoureux de notre pays, de sa civilisation, de sa langue, de son histoire, de sa culture, et on veut lui construire, lui bâtir un avenir. On ne veut pas mettre un point final, on ne veut pas que l'Union européenne soit un État sans peuple. Ça veut dire quoi, un État sans peuple? Ça veut dire une tyrannie. On ne veut pas qu'il y ait une armée dirigée par Mario Draghi, fédéral, ou Ursula von der Leyen. Déjà qu'ils vont nous mettre des militaires polonais qui vont... Oui, ça aussi. Ah, bah, excusez-moi, ça... mais enfin, personne ne râle, c'est incroyable. Ouais. C'est un scandale, hein. On en a parlé, nous, c'est un scandale, hein. C'est un véritable scandale. Hein. Vous en avez parlé, personne n'est émeu. Pendant les JO à Paris, il y aura des militaires polonais qui auront le droit, comme ça, de faire la loi en France. Mais qu'est-ce... Alors ça, c'est pour nous préparer, voyez. Ouais. Puis, on va peut-être mettre aussi des militaires allemands qui vont remonter les Champs-Élysées pendant qu'on y est, hein. Pourquoi pas, hein. Non, mais enfin, je veux dire, ils sont capables. Ça ferait sensation, Florian. Ça ferait sensation. Ça fera son effet, là. Ça fera son effet. Mais vous voyez, ils préparent les esprits. Ouais. Ça sera normal d'avoir des militaires polonais, allemands, etc. en France. Hein, comme il serait normal d'avoir, je ne sais pas, des policiers allemands, etc. en France. Bon. Ben non, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, la France, c'est un pays, c'est un État, c'est un peuple, c'est une histoire. Il y a plein de choses à réparer, il y a plein de choses à reconstruire, il y a plein de choses à construire, mais il y a plein de choses à faire, mais faisons-les. Bon sang, faisons-les. Mais détruisons pas tout pour un truc qui est affreux, qui nous coûte une fortune, qui est corrompu, qui n'a pas de légitimité, qui nous déteste, qui nous mène à la guerre, à la pauvreté, qui organise le grand brassage mondialiste des populations, l'immigration sans contrôle. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux pas, et personne ne veut de ça, et personne ne veut ça pour ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à dire qu'on ne veut pas de ça et qu'on veut en sortir, qu'on veut s'en sortir en sortant? Moi, je trouve que c'est un beau projet, au contraire. Il y aura derrière des choses à bâtir. On aura du boulot, on va se retrousser les manches. Enfin, on saura pourquoi on bosse. On bosse pour notre pays et pour notre avenir. C'est quand même beaucoup plus réjouissant que de bosser pour Barclays, McKinsey, Pfizer et Ursula von der Leyen, quoi. Alors, il nous reste encore 10 minutes. Maria, merci d'être là. Vous êtes très nombreux, hein, ce soir, plus de 3600, 3700 maintenant sur l'ensemble des réseaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Merci en tout cas d'être là. Merci, bien sûr. Vous pouvez aller voir le programme des Patriotes de Florian Philippot sur leur site, bien entendu. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir une petite vidéo. J'étais à HEC en 2005, vous savez, pendant la Constitution européenne. Je faisais un blog pour le nom. J'étais tout seul, hors parti. Déjà, en 2005, il y a 19 ans, j'avais créé un blog qui s'appelait Sortir de l'euro. Et j'avais fait ma première télé. France 2 avait repéré mon blog et m'avait invité. Et Lina a ressorti le petit débat que j'avais eu pour défendre le non face à un jeune qui défendait Louis. C'était à Saint-Malo, France 2 nous avait invité. 4 minutes en direct aux 13h. Et vous verrez que je parlais déjà du libre-échange dont on a parlé ce soir. J'avais tout le monde à aller voir. Il y a une continuité des combats. Comme quoi, voilà. En tout cas, sachez pour le premier invité ce soir, c'est Florian Philippot. Je passerai l'invitation au candidat et chacun viendra s'il veut à la place de Florian Philippot. En tout cas, je vous remercie, Florian, d'être là ce soir, d'avoir accepté ce premier grand entretien politique sur les européennes. Et j'inviterai tous les candidats. Chacun viendra bien s'il a envie de venir. Je voudrais qu'on finisse en parlant de Macron en 10 minutes et ensuite des ingérences, parce qu'apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'ingérences dans ce pays. Et moi, je suis assez surpris que ça soit toujours une ingérence à géométrie variable. Emmanuel Macron, première question dans les 10 dernières minutes, perd-il les pédales, concrètement? On l'a vu, c'est le Rocky Balboa maintenant, c'est le Macron Tyson. Est-ce qu'il perd les pédales pour vous, selon vous? Les a-t-il déjà eu un jour, quoi. Oui, ça c'est sûr et certain, mais là, plus qu'à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Bah là, maintenant, on est dans le délire total. C'est-à-dire que maintenant, c'est Rocky Biscotto, moi, je l'appelle. Hein. Photoshopé. Et puis, une semaine après, il est au Brésil, il tient par la main Lula.
il se balade de manière bucolique dans la forêt. Ouais. Et là, vous le voyez s'envoler, et on dirait la fée Clochette, quoi. Donc, en une semaine, il est capable de passer de Rocky Biscotto à la fée Clochette. Mais entre-temps, il va se déguiser en marin. Il nous a redit cet après-midi qu'il allait nager dans la Seine. Ah oui. Donc là, on va le voir en maillot de bain. Et puis, il se déguise parfois en militaire, il se déguise en pompier. Bon, non, mais on est… Si vous voulez, cet homme-là, c'est la déchéance. C'est au-delà de la blague et du côté… Ouais. Vous savez, Macron, dans le monde, c'est un éclat de rire. Ça n'est plus que ça. C'est juste un éclat de rire. Les gens, les chefs d'État, les médias étrangers, lisez la presse étrangère. C'est incroyable. C'est un éclat de rire mondial, Macron. Ça n'est plus que ça. Mais pour nous, c'est une déchéance. Quand même, quand on a eu comme président de la République le général de Gaulle et qu'on a maintenant ça, c'est quand même, j'espère, l'électrochoc qui fera que les gens se diront, bah, enfin, écoutez, on ne peut pas accepter ça, et il faut quand même qu'on se redresse, quoi. Il est urgent qu'on se redresse, je crois. Vous voyez, pareil pour les affaires étrangères, on a quand même eu des très grands ministres, encore Dominique de Villepin, et pas si longtemps. On était tous fiers du non à la guerre d'Irak en 2003. Et aujourd'hui, on a Stéphane Séjourné, quoi. Enfin, regardez Stéphane Séjourné. C'est pas une attaque personnelle, même pas contre lui, mais ce qu'il incarne, il incarne rien. Il parle à peine français. Enfin, c'est horrible. Et ça, moi, je ne peux pas, comme Français patriote de surcroît, je ne peux pas accepter ça. Oui, et c'est cette histoire d'ingérence aussi, parce qu'on en parle beaucoup, on n'arrête pas de nous dire que on vous a posé la question sur France Info, et la journaliste qui avait en face de vous a eu l'air de dire qu'il y avait essentiellement que de l'ingérence russe et que tout ça a été avéré, peut-être. Mais l'ingérence américaine depuis un certain temps, et depuis, rappelez-vous, la vente d'Alstom, je trouve bizarre quand même que tout ça ne soit pas remis sur le boisseau au moment donné, qu'on ne parle pas de cet équilibre-là, pour le coup. Oui, oui, oui. Vous avez même un organisme officiel maintenant qui s'appelle Viginum, organisme de l'État, qui soi-disant lutte contre l'ingérence étrangère, très bien. Mais en fait, vous regardez les rapports qu'ils publient, c'est systématiquement 100%, ça parle que de Russie. Ouais. Bon, moi, je veux bien, moi, j'aimerais qu'on me montre l'ingérence russe, je ne la comprends pas, je ne vois pas où elle est. Vraiment, hein. Il y en a peut-être, il y en a sûrement, mais on me dit toujours les réseaux sociaux, mais à chaque fois on me sort alors les fameuses fermes à trolls russes, machin, puis on voit trois comptes qui ont trois abonnés, ça c'est ridicule, c'est rien du tout ça. Mais je sais que la Russie est derrière l'élection de Trump en 2016, les gilets jaunes. Moi, quand j'avais commencé mes manifs anti-pass, on m'a dit il y a forcément la Russie derrière. J'ai même vu qu'en Allemagne, on disait que la Russie était derrière la révolte paysanne. On l'a dit en France aussi, Florian. C'est le cas en France aussi. Et en France, c'est Poutine qui conduisait le tracteur, si vous voulez. Donc ça, alors que pendant ce temps-là, si vous voulez, vous avez un peu l'éléphant au milieu de la pièce, puis on vous montre la petite souris. On vous dit, regardez la souris là, elle est dans la pièce. Petite souris dans le coin, personne ne l'avait vue. Par contre, il y a un éléphant au milieu, vous ne pouvez pas le manquer, c'était les Américains. Mais là, personne ne le voit. Il y a quand même des présidents de la République qui sont sortis espionnés, écoutés en permanence par la NSA américaine. Personne n'a rien. Ils n'ont même pas protesté. On a les États-Unis via l'OTAN, avec peut-être d'autres puissances, mais bon, c'est surtout les Américains, qui ont saboté Nord Stream. C'est quand même pas rien. C'est un outil stratégique pour la France. C'est l'approvisionnement énergétique. C'est un acte de guerre qu'ils ont fait. On n'a même pas protesté. On n'ose même pas dire que c'est eux officiellement. On le sait, tout le monde le sait. C'est écrit partout, mais on n'ose pas. Il y a de l'ingérence américaine en permanence. On sait qu'ils ont financé des think tanks, qui le font toujours, bien sûr. Et ensuite, ça finance des consultants qui passent à la télé, qui nous vendent la soupe de Washington toute la journée. Les généraux qui sont otanisés, les consultants soi-disant qui sont payés par les think tanks basés à Washington, à Bruxelles, qui sont avec de l'argent américain. Ça, c'est en permanence. Il y a eu plein de scandales, des fonds américains, on le sait, dans nos banlieues. Ça, c'était sorti il y a quelques années. Ils mettaient de l'argent. Tous les young leaders, le système des young leaders. Maintenant, à la tête des pays occidentaux, vous avez plein de young leaders. C'est un système. Alors, bien sûr, c'est Davos, tout ça. Mais enfin, derrière, c'est l'état profond américain, c'est de l'argent américain, c'est des réseaux américains. Et ça, ça n'existe pas. C'est la preuve. Je vais vous dire, c'est la meilleure preuve. Le fait qu'on n'en parle pas, c'est la meilleure preuve qu'ils sont ultra présents. Ça veut dire que c'est eux qui contrôlent et qui dominent. Ils arrivent à contrôler l'information pour qu'on n'en parle pas. Effectivement. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, puisque je vais faire à peu près 55 minutes, 55, j'avais dit 45, mais on est allé un peu plus loin, donc c'était très bien. Un dernier mot, Florian, pour votre liste aujourd'hui, à ceux qui nous regardent, là, ils sont plus de 3700, 3800 actuellement, concrètement, pour ce 9 juin.
Oh bah, alors, je vais faire plein de réunions publiques, j'ai commencé. Hein. Donc, venez aux réunions publiques, allez voir sur notre site l'agenda, inscrivez-vous. Et puis, il y a du monde partout. Il y a, je crois vraiment, je le vois sur les réseaux, je le vois partout, il y a un bouillonnement, il y a une dynamique qui se met en place. Parce que ce rassemblement des souverainistes et résistants, Frexit, liberté, paix, les gens l'attendaient, le demandaient. Et nous, on le fait. Voilà. Et donc, venez vous-même dans cette dynamique. Venez apporter, si vous avez envie, une contribution, une aide. On est preneurs, si vous voulez. Nous, on n'aura jamais de façon TF1 ou les banques et machin. On fera comme on peut, mettre un tract, prendre un tract, participer à une réunion, tout ça, diffuser une vidéo, tout ça, c'est utile. Voilà. Et j'ai envie de dire aux gens, haut les cœurs, parce que notre France, elle en a vu d'autres, parce que c'est un vieux pays, très vieux pays, qui a plusieurs fois failli disparaître. Et à chaque fois, il y a des générations de Français, au début très minoritaires, qui se sont levés. On n'a pas besoin d'être majoritaire au début. On a besoin en tout cas d'être là, d'être en alerte, d'être éveilleur et de creuser un chemin. Et ce chemin, on va tous le prendre et on va sortir notre pays de la situation épouvantable dans laquelle il se trouve. Ça, j'en prends l'engagement. J'en suis absolument certain, à condition que tout le monde s'y mette. En tout cas, haut les cœurs, ne perdez jamais espoir. Le désespoir, c'est le piège du système. Ben voilà, en tout cas, c'est dit. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu ce soir dans ce premier grand entretien politique. Merci, Nicolas. Merci infiniment. Ah ben c'est normal, c'est notre boulot aussi. Donnerai l'invitation à tous les candidats, François Asselineau et à tous les autres, bien entendu, comme c'est l'égalité et parce que nous n'avons pas de chapelle quant à ça. La démocratie, c'est trop important, finalement. Donc, tout le monde est le bienvenu ici. Chers amis, nous, on se retrouve dès lundi soir pour l'émission Putsch Live à 18h. Et demain, pour ceux qui suivent Tocsin, j'ai la matinale en main. Et demain, je reçois Thierry Sénécloc, je reçois Louis Fouché, extrêmement intéressant. Et je reçois aussi dans le grand entretien, je reçois Eric Branca et Tom aussi, Tom Benoît, vous savez, qui a alpagué Prisca Thévenot. Il vient demain dans le Tocsin. Vous allez voir, il envoie du lourd, comme on dit vulgairement. Merci Florian Philippot d'être venu ce soir sur Putsch Live pour ce premier grand entretien. Merci les à amis, tous, Nicolas. Avec plaisir. Les amis, on se retrouve dès demain matin sur Tocsin à 7h30 et sinon dès lundi soir sur Putsch Live à 18h et dès maintenant sur Putsch.media. Abonnez-vous, donnez, partagez. On a besoin de vous pour nous soutenir. Merci à tous. Bye bye. Vive la démocratie. Salut. Ciao. Bonne soirée à tous. Salut.